nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens voir aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. C'est mon désir de te servir, de te servir, de nourrir de ta loi et te plaire. Assoiffé, assoiffé, bien disposé, me réjouir dans ta présence.
Shalom, famille TPS. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Shalom. Gloire à Dieu. Faites-moi signe si vous m'entendez. Alléluia. Ok, d'accord. Soyez bénis. Merci Jésus. Alors dites-moi, vous me suivez de quel endroit? Mettez-moi la ville ou le pays. Comme ça, je veux voir un peu. Soyez bénis. Donnez-moi la ville ou le pays. Gloire à Dieu. Nous disons bonjour au Saint-Esprit. Et nous disons shalom à la personne qui est connectée à côté de nous. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Grenoble, Bénin. Gloire à Dieu. Washington DC. Dakar. Ok. Gloire à Dieu, Lubumbashi. Épinay-sur-Seine, gloire à Dieu, Rouen, ok, Villepinte, soyez bénis, le Cameroun, le Togo, gloire à Dieu, alléluia, Octavie, tu es où déjà? Octavie, sois bénie, gloire à Dieu. Poitiers, Le Mans, ok, Quincy, ok, gloire à Dieu, la Guadeloupe, Logne, merci Seigneur, et vous, alors s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez, permettez à une personne de voir aussi cette vidéo, permettez à une personne de pouvoir se connecter aussi. Gloire à Dieu, nous allons commencer tout de suite. Ok, Aix-en-Provence, Strasbourg, Vitry. Gloire à Dieu, nous sommes dans la PPRS, notre session de prière, notre session de réveil spirituel. Nous commençons dans 2 minutes. Gloire à Dieu, il y a l'Allemagne, il y a Lyon, Guadeloupe. Gloire à Dieu. Sergi, ok. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Le Seigneur va encore nous faire du bien maintenant. Il va encore nous visiter. Il va encore se manifester. Amen. Il va encore toucher quelqu'un. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous commençons. Belfast, Irlande. Ok, d'accord. Waouh. Ok. Ah ben c'est bon à savoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Montez les j'aime pour que quelqu'un puisse aussi recevoir la notification. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux te magnifier parce que tu es bon. Père éternel, que tu prennes encore le contrôle de ce temps de prière et que le Saint-Esprit se manifeste et que le Saint-Esprit nous fasse encore du bien. Seigneur, qu'au travers de cette prière, tu puisses encore travailler nos cœurs, que tu puisses encore travailler nos pensées, notre caractère, notre mentalité, notre être intérieur, afin que Christ soit formé en nous. Seigneur, ô Dieu de gloire, prends le contrôle par le Saint-Esprit, et que cette prière soit sécurisée par ton sang précieux, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Entre-temps, tu aimes la vidéo, tu likes la vidéo. Entre-temps, tu likes la vidéo. Amen. Like la vidéo. Alors, ce midi, nous allons parler. Notre thème, c'est Saint-Esprit, aide-moi à courir au but. Saint-Esprit, aide-moi à courir au but. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide à courir. Que le Saint-Esprit t'aide à avancer. Que le Saint-Esprit t'aide à courir au but. C'est le message que le Saint-Esprit va nous donner ce midi. Amen. C'est le message que le Saint-Esprit va nous donner, que le Saint-Esprit a prévu que je puisse vous donner ce midi, et je crois que ça va faire du bien à une personne, ça va faire du bien à quelqu'un, ce message va changer sûrement la vie de quelqu'un, même si ce n'est pas une prédication, une longue prédication, je pense que ça sera juste une exhortation courte, j'espère. Amen. Mais nous savons que même avec deux ou trois phrases, quand le Saint-Esprit inspire une parole, quand le Saint-Esprit inspire une pensée, ça veut dire qu'il veut toucher. Ça veut dire qu'il veut transformer, ça veut dire qu'il veut changer, ça veut dire qu'il veut ramener, un changement dans la vie d'une personne, il veut ramener une transformation radicale. Amen. Ne soyons pas des personnes qui cherchons des transformations superficielles, mais soyons des personnes qui cherchons une transformation radicale et totale. Amen. Transformation radicale et totale. Transformation radicale, profonde, totale. Dis avec moi, Saint-Esprit, je désire une transformation radicale, une transformation totale, une transformation profonde. Amen. Une transformation totale, transformation radicale, transformation totale et profonde. C'est ce que je veux. Dis au Saint-Esprit que c'est ce que tu veux et que le Saint-Esprit le fasse. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Si tel est ton désir, le Saint-Esprit va le faire. Il va te transformer, il va te changer. Alléluia, il va te changer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, nous allons commencer notre... Nous rentrons dans le vif du sujet. Alléluia. Merci Seigneur. Aimez encore la vidéo. On doit quand même arriver à 100 likes, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ne reçoivent plus les notifications. Aidez ces personnes à recevoir la notification. Aidez ces personnes à tomber sur la vidéo. Alléluia. En attendant, je branche quelque chose et je rentre directement dans le message. Voilà.
Voilà. Saint-Esprit, aide-moi à courir au but. Saint-Esprit, aide-moi à courir au but. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3, au verset 14. Philippiens chapitre 3, au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il écrit à l'église de Philippe. C'est pour cela qu'on dit les Philippiens. Et dans son épître, dans sa lettre aux Philippiens, il dit quelque chose. Il dit qu'il est en train de courir. Il court où? Il court vers le but. Et je vous conseille de lire même le début du chapitre 3. C'est très intéressant. Vous allez bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Alléluia. Vous allez comprendre. Excusez-moi, j'ai oublié un verset que je vais rajouter. Vous allez comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il dit « Je cours vers le but ». C'est-à-dire, je suis en train de me focaliser. Je suis en train de concentrer toute ma force. Je suis en train d'emmagasiner toute mon énergie. Je suis en train de me concentrer à courir vers le but. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est tout simplement ce qu'on appelle le salut final. Écris avec moi, le salut final. Le salut final. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, amen, nous recevons le salut. Nous sommes enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu, nous héritons de la vie éternelle, amen. Mais cela maintenant nous demande de marcher dans ce salut. Il ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faut marcher dans le salut. Alléluia. Il faut que tu commences à marcher dans ce salut. Il faut marcher. Et l'apôtre Paul lui dit, il ne marche même pas, il court. Donc, il faut courir dans ce salut. Il faut courir dans ce salut. Ce qui veut dire que le salut, mon premier salut que je reçois en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, là où mon nom est écrit dans le livre de vie, amen, c'est très bien. Maintenant, je dois l'entretenir. Un salut doit être entretenu. Si tu n'entretiens pas ton salut, tu risques d'être surpris quand Jésus va revenir. Tu risques d'être surpris. L'apôtre Paul est en train de dire, moi je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et pourtant, l'apôtre Paul avait déjà accepté Jésus. Il était déjà enfant de Dieu. Son nom était écrit dans le livre de vie. Mais il dit encore qu'il doit remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix que nous devons remporter. Il y a un prix que tu dois remporter. Il y a un prix qui t'attend. Et ce prix demande que tu puisses travailler. Ce prix demande que tu puisses courir vers un but. Alors tu vas me poser la question. Prophétesse, donc le salut que j'ai reçu en Jésus, donc c'est pas bon. Le salut, je suis déjà enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. C'est déjà écrit. Mais fais attention parce que si tu marches dans le péché, si tu marches dans l'amour du monde, ton nom va être effacé. Si tu marches dans l'amour du monde, ton nom va être effacé. Alléluia. Il faut faire attention. À l'école des disciples, j'avais parlé de quelque chose. J'avais parlé des trois temps du salut. Les trois temps du salut. Les trois temps du salut sont tout simplement le salut. Hein, où nous avons le salut initial, comme pour la sanctification. Nous avons le premier salut que nous recevons, le salut initial. Amen. C'est-à-dire, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu le salut initial. Le salut standard, je suis enfant de Dieu, mon nom est écrit dans le livre de vie, je suis sauvé, maintenant je dois marcher dans ce salut. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle le salut quotidien. C'est exactement comme pour la sanctification. Il y a le salut initial, donc le premier salut, le salut quotidien. C'est-à-dire, je marche dans ce salut tous les jours, tu dois marcher. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, non, ne marchez pas seulement, mais plutôt courez. Tu dois courir. Tu dois courir vers le but. Tu dois courir. Amen. Ne marche pas seulement, mais cours. Le salut quotidien, je cours chaque jour avec mon salut. Je garde mon salut. Amen.
Et il y a ce qu'on appelle le salut final. On a vu ça à l'école des disciples, pour ceux qui suivent l'école des disciples. Il y a trois temps. Dans le salut, il y a trois temps, ce qu'on appelle les trois temps du salut. Donc le salut initial, le salut quotidien et le salut final. Alors de quoi l'apôtre Paul est en train de parler quand il dit « je cours vers le but » Il est en train de dire tout simplement que je cours vers le salut final. Amen. Je cours vers le salut final. J'ai reçu le premier salut, le salut initial qui a fait de moi enfant de Dieu. Et je continue maintenant à courir dans ce salut. Je continue à courir dans ce salut. J'entretiens mon salut. Amen. Je marche dans ce salut pour remporter le prix de quoi? Le prix du salut final. Le prix du salut final. Un jour, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Toi-même réponds. Puisque tu as le salut initial, tu as le salut quotidien et tu as le salut final. Le salut final, c'est le dernier salut où l'Église va être enlevée. Et c'est pour cela que nous sommes en train de prier, pour l'enlèvement. Alléluia, pour l'enlèvement. Le salut quotidien. Ce n'est pas parce que tu as déjà accepté Jésus que tu dis non, c'est bon, j'ai mon nom écrit dans le livre de vie, alors je peux marcher dans le péché, le Seigneur me connaît déjà, il m'a déjà donné la vie éternelle. Tu seras surpris que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul a concentré toute sa force, a donné toute son énergie, dans quoi? Vers le but. Pourquoi? Il ne veut pas rater le but. Il ne veut pas manquer le but. Quel but? Le but que Jésus-Christ a prévu pour sa vie. Tu ne dois pas manquer le but que Christ a prévu pour ta vie. Tu ne dois pas manquer. Le Seigneur a un projet pour toi. Et dans ce projet, il veut que tu puisses accomplir des choses sur la terre. Il veut que tu puisses marcher dans son salut pour que tu puisses remporter le prix de la vocation céleste. Pour que tu puisses remporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but. Le but ultime, notez bien, le but ultime, c'est le salut final. C'est l'enlèvement. C'est la vie éternelle. C'est de rentrer dans la gloire de Dieu. Ça, c'est le salut final. Le salut quotidien, tu es en train maintenant de travailler. Amen. Tu travailles en fait ta vie spirituelle. Tu travailles ta vie chrétienne. Tu es déterminé à atteindre le but. Tu es déterminé à manifester ce que Christ a mis en toi. Le salut quotidien, tu es déterminé à manifester ce que Christ veut que tu puisses devenir. Ce que Christ dit de toi. C'est-à-dire, si je veux marcher dans le salut quotidien, si je veux courir vers le but, si je veux courir, écoutez bien, si je veux courir vers le but, ça veut dire que je dois quitter la distraction. Les gens distraits ne peuvent pas courir vers le but. Les gens distraits, ceux qui marchent dans la distraction ne peuvent pas courir vers le but. Écoutez, aujourd'hui, on a un sport qu'on regarde souvent, c'est le foot. Amen. Moi, j'aime bien le foot. Pour pas dire beaucoup. J'aime bien le foot. Voilà, le pasteur aime bien le foot, aime beaucoup le foot quand même, lui. Et on regarde souvent le foot. Donc, on regarde avec nos enfants, on regarde le foot. Et quand on regarde le foot, on regarde le joueur qui a le ballon. Ce joueur qui a le ballon, son but, c'est de ne pas perdre la balle. Il ne veut pas perdre la balle. Surtout, il est devant le but. Alors, il ne faut pas qu'il perde la balle. C'est pour cela, des fois, on crie, garde la balle, pourquoi? Il ne faut pas qu'il perde la balle. Un joueur qui a la balle à ses pieds ne regarde pas, en fait, il ne va pas être distrait. S'il écoute la voix de la foule qui est en train de crier, marque, s'il se concentre à ça, l'adversaire, l'équipe adverse va lui prendre la balle. L'équipe adverse va lui prendre la balle. Celui qui court vers le but, et l'image un peu du football, le joueur qui court vers le but ne regarde plus autour de lui. Il ne cherche pas la distraction. Les seules personnes qu'il peut regarder, c'est ses coéquipiers pour leur donner la balle, au cas où. Mais il va refuser la distraction. Il ne va pas écouter la foule qui est en train de crier. Il ne va pas se concentrer sur quelqu'un qui a jeté une bouteille sur le terrain. Il ne va pas se concentrer sur quelqu'un, sur deux supporters qui sont en train de se battre. Il ne va pas se concentrer sur ces choses. Lui, ses yeux sont fixés vers le but. Il doit arriver dans les poteaux et marquer son but. Si je veux courir comme l'apôtre Paul vers le but, je dois quitter la distraction. L'une des choses qui empêche les gens d'arriver au but, l'une des choses qui empêche des gens de marcher réellement dans la sanctification, de marcher dans ce que Dieu attend d'eux, c'est la distraction.
Enlève la distraction dans ta vie. La distraction. Ça étouffe, en fait. La distraction étouffe. Étouffe ta vie, t'étouffe et t'empêche d'atteindre le but. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Donc, un enfant de Dieu doit avoir la mentalité de courir. Je suis en train de courir vers mon salut final. Je suis en train de courir vers l'enlèvement. Je suis en train de courir vers la rencontre de mon Dieu. Je suis en train de courir vers la manifestation totale de cette vie éternelle que j'ai. Je suis en train de courir. J'ai la balle dans mes pieds. Je suis en train de courir vers le but. Alors, je refuse la distraction. Tu dois refuser la distraction. Alléluia. Refuse la distraction. La distraction va t'étouffer. La distraction va t'empêcher de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit, l'apôtre Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que je ne peux pas remporter un prix hors de Jésus. Tout est en Christ. Enfant de Dieu, sachez une chose, tout est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. L'éternité est en Jésus-Christ. Les bénédictions sont en Jésus-Christ. La délivrance est en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Il dit, le prix de la vocation céleste de Dieu, c'est Dieu qui me donnera ce prix, mais ce prix, je vais l'avoir en Christ. C'est pour cela, tu dois avoir Christ qui soit formé en toi. Christ doit prendre pleinement la place en toi. Christ doit détruire ton caractère. Christ doit détruire ta manière de penser. Oui, il doit détruire ça. Christ doit détruire ta façon de vivre. Christ doit totalement prendre la place en toi. Alléluia. Il doit totalement prendre la place en toi. Donc, le premier salut que tu as reçu, garde bien. Toi qui ne viens pas, qui n'écoute pas l'école des disciples que nous faisons tous les mercredis sur l'autre chaîne YouTube l'Assemblée des passionnés de Christ. Le salut initial, c'est ce que tu reçois par le sang de Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es saint. Ça, c'est le salut initial. Amen. Le premier salut, tu es enfant de Dieu. Ça y est, tu as la vie éternelle. On t'a déclaré, tu as la vie éternelle. Ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est bon. Mais le salut quotidien, tu dois marcher tous les jours dans la sanctification. Tu dois marcher tous les jours dans ce salut. Tu dois quitter les plaisirs du monde. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et tu as encore les plaisirs du monde qui sont bien vivants en toi. Les plaisirs du monde doivent mourir. Amen. Les plaisirs du monde, je répète encore, les plaisirs du monde en toi doivent mourir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les plaisirs du monde sont bien vivants en toi. Donc, tout est bien vivant. Il y a des chrétiens comme ça. Tout est bien vivant. Il n'y a rien qui est parti. En fait, tu as juste changé de nom. Bon, je suis chrétien maintenant. Mais en réalité, ton intérieur n'a jamais été changé. Ton intérieur n'a jamais été recréé. Ton intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de rencontre. Il faut qu'il y ait une différence entre le toi d'avant et le toi d'après. J'ai toujours dit ça. Il faut qu'il y ait une différence entre le toi d'avant. Donc, toi avant et toi après avoir rencontré Jésus. Il faut que tu sentes la différence entre le toi avant la rencontre, avant ta rencontre avec Christ et après ta rencontre avec Jésus. Il faut que tu le sentes. Quand tu ne sens pas ça, c'est un danger. Quand tu ne sens pas ça, c'est un danger. Tu as toujours les mêmes désirs de la chair. Tu ne peux pas courir vers le but. Si tu as les désirs de la chair en toi, ce n'est pas possible. Les désirs de la chair vont t'empêcher, vont t'étouffer. Vont étouffer ton désir ou ton envie de courir vers le but. Dès que tu vas commencer à courir un peu, après tu vas commencer à marcher parce que tu es découragé. Après finalement, les plaisirs du monde vont t'arrêter. Tu ne pourras plus continuer. Les plaisirs du monde vont t'arrêter. La convoitise de la chair, ça va t'arrêter. Il faut refuser ces choses. C'est-à-dire que une personne qui court vers le but comme l'apôtre Paul et qui sait qu'il est focalisé pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, il est focalisé sur ça, alors cette personne ne marche plus dans les désirs de la chair. Cette personne, même si sa prière n'est pas exaucée, comme disait Pasteur Kimilu, même si sa prière n'est pas exaucée, la personne continue à courir. Pourquoi? Parce qu'il a un but ultime. Son but le plus élevé, c'est quoi? C'est de remporter le prix de la vocation céleste. C'est ça. Ses yeux sont fixés sur ça. Écoutez, l'apôtre Paul dit encore quelque chose ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Courez de
manière à le remporter. Ne sois pas un chrétien qui court dans le vide, comme quelqu'un qui bat de l'air. Tu cours dans le vide, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quel est ton objectif déjà en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne sais pas, non, tu dois avoir un but, tu dois avoir un objectif. Le but, c'est quoi? Le but, c'est le salut final. Le but, c'est la vie éternelle. Le but, c'est le ciel. Pour faire court, le but, c'est le ciel. Amen. Ton but doit être le ciel. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Oui, on court tous. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup vont dans les églises, oui. Les églises sont remplies de milliers de personnes. Chaque dimanche, ils sont là, avec leur Bible. Tous, ils prient. Tous, ils élèvent la voix. Mais tous ne vont pas hériter le prix. Tous ne vont pas remporter le prix. L'apôtre Paul dit, cours de manière à le remporter. Cours de manière à être enlevé. Cours de manière à hériter de cette vie éternelle. Cours de manière à entrer au ciel. Amen. Cours de manière à entrer au ciel. Courez de manière à le remporter. Ne courez pas pour le perdre. Ne courez pas pour le perdre. Dernièrement, bien-aimé, il y a eu le match qui s'est joué entre le PSG et le Real de Madrid. Le PSG est en train de gagner. Ils pensaient que c'était terminé, c'est bon pour nous, on a gagné. Il restait juste à peine 20 minutes. Mais quand le gardien a fait l'erreur de perdre la balle et que le joueur du Real, Benzema, a marqué le premier but, c'était parti. En 15 minutes, on les a battus. En 15 minutes, dès que le gardien avait perdu la balle qu'il avait par erreur au pied, le match était plié, terminé. Dès que Benzema avait marqué, alors le match était terminé. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Pas pour te dire Real, PSG. Ça, ce n'est pas important. Amen. Mais juste pour te dire, tu as une balle que Dieu t'a donnée. Tu as un ballon à tes pieds. Cours et ne perds pas ta balle. Amen. Ne perds pas ta balle. Ne perds pas ta vie. Ne perds pas l'éternité que le Seigneur t'a donnée. Ne perds pas ton salut. Le salut, c'est comme le ballon. Le salut, c'est comme le ballon que tu as au pied. Cours. Cours de sorte que ton ballon puisse rentrer dans les buts. Cours de sorte que tu puisses rentrer dans le salut final. Cours, ne perds pas ta balle, ne perds pas ton ballon, ne perds pas tes dons, ne perds pas ce que Dieu t'a donné, ne perds pas ta vie de prière, ne perds pas ta vie de méditation, ne perds pas ta consécration, ne perds pas ta sanctification, parce que le diable veut, il court derrière toi. Il est en train de courir et cherche à t'arracher ce que tu as. Il cherche à te prendre cette balle qui est à tes pieds. Il cherche à te prendre ton salut. Il cherche à t'empêcher d'arriver au salut final. N'oubliez pas le salut initial, le salut quotidien et le salut final. Initial, quotidien et le salut final. Alors, faites la guerre vous-même au désir de la chair. Faites la guerre à l'amour du monde. Faites la guerre à ces choses. Alléluia. Faites la guerre. Et un enfant de Dieu ne doit pas... Quand tu lis ce verset, tu comprends que la lourdeur spirituelle est un péché. Excusez-moi, la lourdeur spirituelle. Quand tu commences à être lourd spirituellement, c'est un péché. Dieu n'aime pas la fainéantise. Dieu n'aime pas les paresseux spirituels. Dieu n'aime pas les paresseux spirituels. Je ne viens pas à l'église parce que j'étais trop fatiguée. Je ne viens pas à l'église parce que j'avais trop de choses à faire. Dieu n'aime pas les paresseux spirituels. L'apôtre Paul dit, courez. Ceux qui courent dans le stade courent tous. Ils courent tous. On doit courir. D'ailleurs, nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors nous devons courir. Ce n'est plus le temps de jouer avec ton salut. Ce n'est plus le temps de jouer avec ta consécration. Tu dois courir. Quand le diable te sollicite pour tomber dans le péché, toi cours. Fuis l'impudicité. Cours. On vous dit fuyez. Amen. Quand quelqu'un vient pour que tu puisses mentir avec la personne, pour te dire des mensonges, te faire rentrer dans la combine de mensonges, cours. Quitte cette personne. Tu dois courir. Tu dois fuir. Amen. En d'autres termes, fuis le péché. Cours. Garde ta balle. Ne permets pas que quelqu'un te prenne ton ballon. Ne permets pas que quelqu'un te fasse tomber ton ballon. Ne permets pas que quelqu'un te détourne de ton chemin. Ne permets pas que quelqu'un te fasse rater la cible, la vie éternelle. Bien-aimé, nous prions pour le ciel. Amen. Écris avec moi, je prie pour le ciel. Dieu me bénit sur la terre, oui, mais le plus important, c'est le ciel. Ça veut dire que même si je ne suis pas béni sur la terre physiquement, le plus important est que je rentre au ciel. Parce que la Bible me parle du pauvre Lazare avec le riche. Vous allez voir que Lazare était pauvre, il n'avait rien à manger.
Les chiens même venaient lécher, ils venaient lécher ses blessures, ses plaies, ses ulcères. Au point où même Lazare, la seule chose qu'il voulait, c'est de manger même les miettes qui tombaient de la table du riche. Il enviait même les chiens. Le pauvre Lazare enviait les chiens pour même manger seulement les miettes. Il était SDF, il était rejeté, on ne voyait même pas. Mais quand il est mort, quand les deux sont morts, Lazare était dans la gloire éternelle. Lazare était dans la gloire éternelle. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, la priorité c'est le ciel, je prie pour le ciel. Le jour où tu étais venu à la prière, le jour où tu as cherché Dieu, c'était peut-être parce que tu avais des problèmes. Oui, tu avais des problèmes. Mais en fait, Dieu avait provoqué ce problème pour que tu puisses le rencontrer. Dieu avait provoqué cette situation pour que toi, tu puisses le rencontrer. En réalité, tu es venu prier pour rencontrer Dieu. Dans la Bible, on nous parle de Saül. Saül, le roi Saül. Amen. Le roi Saül, pas Saül, Saül qui était Paul. Non, le roi... Pas Saul plutôt qui était Paul. Le roi Saül, la Bible dit qu'il avait, que son père avait perdu ses ânesses. Saül, son père lui dit, va me chercher les ânesses. Et quand Saül va chercher les ânesses de son père qui était perdu, c'est à ce moment-là que Saül rencontre le prophète Samuel qui est le oint roi d'Israël. Le problème qui t'emmenait à l'église, le problème qui t'emmenait à chercher Dieu, cette maladie qui t'emmenait à chercher Dieu avait pour but que tu puisses rencontrer Dieu. En fait, quand le diable t'a attaqué, peut-être que c'est un problème d'attaque, de combat spirituel, de démon, de sorcier, tout ce que vous voulez. Quand le diable est venu pour te posséder, quand le diable est venu te combattre, en réalité, Dieu l'a utilisé pour qu'il te pousse à rencontrer Dieu. Cette situation t'a poussé, Dieu l'a permis pour que tu rencontres Dieu. Bien-aimé, ayez maintenant une manière de penser qui est très très élevée. Dieu a permis ton problème. Dieu a permis des sorciers dans ta famille pour que toi tu puisses chercher Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de sorciers dans ta famille, tu n'allais pas chercher Dieu. Tu allais te contenter de ta vie, tu allais te plaire dans ta vie, tu allais te plaire dans le péché. Dieu a permis cette situation que tu as aujourd'hui pour que tu te consacres à Dieu. Donc en réalité, Dieu nous attire à lui pour que nous puissions le rencontrer. C'est le ciel que tu puisses le rencontrer. C'est Dieu poursuit ta vie éternelle, la vie éternelle. Quand tu comprends ces choses, alors tu rentres dans un niveau de maturité spirituelle élevé. Tu rentres dans un niveau de maturité spirituelle. Ça veut dire que quand tu comprends ces choses, tu n'es pas impressionné parce que je te dis que tu vas devenir riche. Tu n'es pas impressionné par des prédications, te dit tu es riche, tu auras beaucoup d'argent, Dieu va t'élever. Oui, mais en réalité, tu sais que la véritable élévation, c'est le ciel. La véritable élévation, c'est le ciel. Dès que tu as compris cela, Dieu te donne tout le reste. Quand tu comprends cela, Dieu te donne tout le reste. Quand tu comprends le mystère d'être avec Christ, Dieu te donne tout le reste. Quand tu comprends le mystère de courir vers le but, Dieu te donne tout le reste. Il y a des choses que tu n'auras pas besoin de prier, le ciel va te les accorder. En fait, il y a des choses, à un certain niveau de vie chrétienne, à un certain niveau de fusion avec le Saint-Esprit, à un certain niveau de maturité spirituelle, tu n'auras même pas besoin de prier. Il y a des choses, à peine tu penses, Dieu pourvoit. Vous étiez déjà arrivé de penser à quelque chose, penser à quelqu'un, la personne vous appelle. Vous étiez déjà arrivé de penser à une personne, vous la rencontrez. Vous étiez déjà arrivé de penser à un travail, ce travail vous appelle. Vous étiez déjà arrivé de penser à de l'argent, ah j'ai besoin d'argent, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne de l'argent. C'est une prière qui a été exaucée sans que vous ne priez. C'est une prière à un certain niveau de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Quand tu cherches les priorités de Dieu, quand tu cherches les buts de Dieu, quand tu décides de courir vers le but, de garder ton salut, de marcher dans le salut quotidien, tu vas commencer à vivre des choses juste par la pensée. En fait, la pensée devient une prière. Il faut que vous arriviez au niveau où votre pensée devient une prière. Je vais vous faire une confidence. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Je vous assure, je ne prie pas. Dès que je pense, Dieu pourvoit. Je pense, Dieu fait. Je pense, oui. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Je ne prie pas. Mardi dernier, je disais, bon, pour l'école de dimanche, il faut vraiment des livres pour les enfants. Je pense à ça. Et je me disais, bon, je finis la PPRS et ensuite, je vais rentrer sur Internet. Il faut que je puisse un peu acheter des bouquins pour l'école de dimanche, pour les enfants. Comme ça, au moins, leurs moniteurs vont leur donner quand même de la matière. Et je pense à ça. Et ça me dérangeait. Quand j'ai fini la PPRS, j'avais des rendez-vous à l'église, je suis partie à l'église, j'arrive à l'église et je reçois mon premier rendez-vous et je,
Il y a un de mes fils qui m'appelle, un de mes fils spirituels qui me dit, maman, je vais à Paris, j'ai pensé à l'école de dimanche, je voulais acheter des livres pour les enfants. J'ai dit, waouh, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Je vais pour les enfants, vraiment, j'ai envie de leur acheter des choses comme ça, les monitrices à l'école de dimanche pourront leur donner voilà, des choses bien structurées. Je lui ai dit, tu viens de répondre à la prière. Je n'ai pas prié pour ça. J'ai pensé, Dieu a parlé à un fils de la maison. Et ce même mardi, le fils de la maison m'appelle même pas quelques deux heures après pour me dire, maman, je vais acheter ça. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait? C'est pour cela que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils mangent chaque jour. Les fleurs là sont habillées plus que Salomon. Mais vous, pourquoi vous inquiétez-vous pour le manger, le boire? Ne vous inquiétez pas. À un certain niveau de la vie chrétienne, il faut que tes pensées deviennent une prière. Il faut que tes pensées deviennent une prière. Ça, c'est le plus haut niveau de la prière. Tu ne pries pas. Tu as pensé, Dieu pourvoit. Ta pensée devient une prière. À un certain niveau de la prière, tes larmes deviennent une prière. Et je vais vous prêcher sur la prière cette année. Ça, j'ai décidé. Vous prêchez sur les sortes de prières qui touchent le cœur de Dieu. À un certain niveau, tes soupirs seulement, quand tu as mal au cœur, parce que tu es connecté au Saint-Esprit, quand tu as mal au cœur, le fait que tu as eu mal, ton émotion devient une prière. Même l'émotion devient une prière. Mais tu ne t'es pas mis à genoux pour dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Non, juste ton émotion, l'émotion devient une prière. Le Saint-Esprit qui est en toi prie à ta place. Le Saint-Esprit pourvoit. Le Saint-Esprit sait que ma fille a besoin de ça. Il t'accorde. Tu ne pries pas. Tu ne fais pas de 40 jours de jeûne. Non, à un certain niveau, il y a des choses pour lesquelles tu penseras comme ça. Dieu fera. Il y a des choses pour lesquelles tu prieras. Dieu fera. Mais Dieu va commencer à pourvoir à tes besoins ou à écouter ta prière de plusieurs manières. De plusieurs manières. Alléluia. De plusieurs manières. C'est pour cela que tu dois courir. Tu dois courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et n'oublie pas que tout est en Jésus-Christ. Donc, Christ doit être formé en toi. C'est pour cela qu'on insiste et on persiste à la tour de prière semeur ou à l'assemblée des passionnés de Christ, que Christ doit être formé en nous. Ce n'est pas une blague. Jésus doit être formé, totalement formé. Totalement formé. Il doit être formé en toi. À un certain niveau de la fusion avec le Saint-Esprit. À un certain niveau de la fusion avec le Seigneur. Vous savez, à un certain niveau de la fusion avec le Seigneur, vous allez peut-être prier même vous chassez un démon, il ne part pas. Vous chassez un démon, il ne part pas. Vous chassez un démon, il ne part pas. Et Dieu vient te dire, comme avait dit le pasteur Kibino dimanche, Dieu vient te dire, comme pour Paul, ma grâce te suffit. Et tu crois. Tu dis, Seigneur, merci, car ta grâce me suffit. Et ce démon ne te fait rien. Il t'embête, toi tu avances. Plus il t'embête, toi tu avances. Plus il t'embête, toi tu avances. Plus il t'embête. Mais tu ne vas pas être là à te décourager. Tu ne vas pas être là à te perdre. Tu ne vas pas être là. Non. Amen. Parce que tu sais que le Dieu que tu sers est un Dieu qui récompense. Le Dieu que tu sers n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors tu te détaches du monde et tu cours vers le but. Tu ne marches pas, je dis bien, tu cours. Courir, on ne regarde pas en arrière. Tu cours. Un jour, il y a des gens qui étaient à la gare du Nord, surtout quand il y avait des bombes, l'histoire des bombes là. Les gens étaient à la gare du Nord, ils ont vu quelqu'un courir. Une première personne a couru, une deuxième, et tout le monde a commencé à courir. Pourquoi vous courez? On ne sait pas. Ils ont cru que c'était une alerte à la bombe. Il n'y avait rien. Quelqu'un seulement a commencé à courir, une deuxième a commencé à courir, une troisième personne, tout le monde a commencé à courir. Courez, bien-aimés. Courez. Eux, ils couraient, ils ne savaient pas pourquoi ils couraient. Mais toi, quand tu cours, tu sais pourquoi tu cours. Tu cours parce que tu as un but. Tu cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, je vais vous montrer un autre verset. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire « Je cours vers le but ». Quel était le but pour l'apôtre Paul? On va lire un verset, notez ce verset. Nous allons lire le but pour l'apôtre Paul. Philippiens, chapitre 3, toujours le chapitre 3. Maintenant, nous remontons un peu plus haut, à partir du verset 7. La Bible dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Waouh. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Waouh! Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je les regarde comme de la boue. Écoutez maintenant, le but. Il dit maintenant, afin de gagner Christ. Ça, c'est le but. Gagner Christ. Écris avec moi, gagner Christ. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez le verset 10. Afin, quand on dit afin, c'est-à-dire c'est le pourquoi, c'est la solution. C'est le pourquoi j'ai tout arrêté. Afin de connaître Christ. Bien-aimé, le plus important est que tu puisses connaître Christ. Ce n'est pas de te marier, connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Tu dois connaître la puissance de la résurrection de Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tu dois aussi connaître la communion des souffrances de Christ. Ça veut dire que toi aussi, tu vas passer par les souffrances. Amen. En devenant, écoutez maintenant, en devenant conforme à lui. Waouh! Je dois devenir conforme à Christ. En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, écoute encore, ça c'est le but, toujours le but. Pour parvenir, si je puis, oh, apôtre Paul, pourquoi tu dis ça? Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ça c'était le but de l'apôtre Paul. Quand vous lisez ça, ça c'était le but de l'apôtre Paul. Parvenir, si je puis, il dit si je puis, donc si je le peux, parvenir à la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire à la vie éternelle, au salut final. Amen. Parvenir au salut final. Il dit, je fais ces choses pour gagner Christ. Bien aimé, j'ai quitté le monde pour gagner Christ. Amen. Je quitte le monde pour gagner Christ. J'ai quitté le péché pour gagner Christ. Oui. J'ai quitté les distractions pour gagner Christ. J'ai quitté les plaisirs du monde pour gagner Christ. Oui. J'ai quitté les péchés chéris, les péchés mignons pour gagner Christ. Tu dois quitter ces choses pour gagner Christ. Tu dois gagner Christ. Mais prophète, j'ai déjà accepté Jésus. Non, oui, tu l'as accepté, mais tu dois encore le gagner. Pour gagner Christ. Et le verset 11, il dit, pour parvenir, si je puis. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul avait toujours la mentalité de, je cours encore, je fais des efforts. Je ne suis pas encore arrivé, mais je sais que je vais y arriver. Je continue à courir, je ne m'arrête pas. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Que nous puissions parvenir à la résurrection d'entre les morts. Amen. Que nous puissions parvenir, que nous puissions parvenir. Que nous puissions parvenir à cette résurrection, à être conformes, conformes à Christ. Waouh! Être conforme à Christ. Être conforme à Christ. Alléluia! Pour être conforme à Christ. Bien-aimé, quand on devient conforme à Christ, c'est dans cet état même, quand tu penses à quelque chose, cela devient une prière. Quand tu pleures, c'est Christ qui pleure. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu penses, c'est Jésus qui pense. Alléluia. Quand tu penses, c'est Jésus qui pense. Quand tu pleures, c'est Jésus qui pleure. Alléluia. Conforme. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Malgré tout ce que l'apôtre Paul faisait, malgré les miracles, malgré que c'était un homme qui marchait avec une sanctification, une sainteté incomparable, mais pour lui ce n'était pas encore assez. Pour lui, il voulait encore faire plus. Il voulait encore marcher plus dans la sanctification. Il cherchait encore plus. Il disait encore que je dois gagner Christ. Nous devons avoir le cœur de l'apôtre Paul. Amen. Avoir le cœur de l'apôtre Paul. Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courir, courir et courir. Que personne ne te prenne ton salut. Que personne ne te gâche ton salut. Que personne ne puisse te distraire. Que personne ne te fasse tomber. Que personne ne t'enlève ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Que personne ne t'enlève cela. Que tu puisses courir vers le but. Ça veut dire aussi, il y a des choses que Dieu a prévues que tu puisses faire sur la terre. Que tu puisses les accomplir. Il y a un but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu as été créé pour un but. Personne sur la terre n'a été créé par hasard. Non.
Tout le monde a été créé pour un but. Quelle que soit la manière dont tu es né, quelle que soit la façon dont tu as été conçu, quelle que soit, une chose est sûre, que tu es né pour un but. Amen. Tu es né pour un but. Dès que tu as respiré, tu as crié, il y a un but qui est en toi. Dès que tu as été conçu dans le ventre de ta maman, il y a un but qui est en toi. Dieu a mis en toi un but. Dieu a enfoui en toi une mission. Il y a une mission que tu dois accomplir sur la terre. Alors cours vers le but afin que tu accomplisses ta mission et que quand tu iras rencontrer ton maître, que Dieu puisse te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Que tes œuvres puissent te suivre. Alléluia. Que tes œuvres puissent te suivre. Ne permets pas à quelqu'un de te faire de la peine. L'apôtre Paul a dit un jour que plus personne ne me fasse de la peine, que désormais, plus personne ne me fasse de la peine. N'accepte pas que quelqu'un te fasse de la peine et te fasse rater ce si grand salut. N'accepte pas que le manque de travail, le manque de mariage, le manque de papier, le manque d'argent ne te fasse perdre la joie du salut. Ne permets pas cela. N'oublie jamais, le pauvre Lazare n'avait rien, SDF, rien, rien du tout. Mais quand il est mort, il est rentré dans la joie éternelle. C'était le plus riche. Le riche qui mangeait, qui était sur la terre, était devenu pauvre dans le feu éternel. Il pleurait. Mais Lazare était dans la joie éternelle, dans le sein d'Abraham, dans la richesse. Amen. Il était dans la richesse totale. N'oublie jamais ça. N'oublie pas que les choses de la terre vont passer. Les choses de la terre sont juste limitées à la terre. Les choses de la terre vont pourrir, vont expirer, vont passer, vont finir. Mais les choses éternelles vont demeurer. L'éternel va demeurer. La vie est éternelle. Sache une chose, que la vie n'est pas seulement ce que tu vis aujourd'hui. Tu vis aujourd'hui quoi? Tu vas vivre quoi? 5, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pour les plus robustes, ils vivent quoi? 100 ans. Mais après, c'est la mort. Mais la vie éternelle, tu vis pour l'éternité. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'année. Tu vis pour l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Sur la terre, on ne vit que pour quelques années. Vaut mieux investir dans les choses éternelles que d'investir dans les choses temporelles. Tout ce qui est de la terre est temporel. Le mariage, tu peux te réjouir, mais il passera. Le travail, tu peux te réjouir, tu iras à la retraite et tu mourras. Les gens qui sont autour de toi, les amis, tu peux te réjouir avec eux. Un jour, ils vont aussi te laisser. Ils ont leur vie à faire. Ils ont leur vie. Tu vas les laisser. Tu vas mourir, tu vas les laisser. Eux aussi vont mourir, ils vont te laisser. La terre que tu vois, un jour la Bible dit que la terre sera roulée et jetée en enfer. La terre sera jetée en enfer. Dieu va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors, à quoi bon investir sur les choses temporelles? Vaut mieux investir sur les choses éternelles. Que tu prennes conscience de cela. Que le Saint-Esprit t'aide à courir au but. Le but qui est le ciel. Le but qui est l'éternité. Le but qui est l'éternité. Ne sois pas distrait, ne sois pas impressionné parce que quelqu'un sort des prophéties. Jésus a dit, même si quelqu'un crache le feu, sort le feu du ciel, ne soyez pas impressionné, je ne suis pas avec lui. Ne soyez pas impressionné. Ne cherchez pas seulement, je veux le miracle. Non, cherche le faiseur de miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, il t'a donné à toi aussi la capacité de faire des miracles. Tous ceux qui l'ont reçu ont la capacité de faire des miracles. Alléluia. Cherche Christ, cherche l'essentiel. Sors des choses du monde, sors des envies du monde. Si tu vois qu'en toi, il y a beaucoup d'envie des choses du monde, tu sens qu'en toi, vraiment, ton intérieur est encore attaché au monde. Demande au Saint-Esprit de t'aider et de te détacher de l'amour du monde. Demande au Saint-Esprit de te séparer de la masturbation. Demande au Saint-Esprit de te séparer du péché. Demande au Saint-Esprit, demande-lui de l'aide, il est là pour ça. Et il va te délivrer, il va te délivrer. La plus grande délivrance n'est pas chasser les démons, mais la plus grande délivrance, mon ami, c'est de quitter le péché. La plus grande délivrance, c'est de chasser les esprits de péché, chasser le mensonge, chasser l'impudicité, chasser l'hypocrisie, l'orgueil, chasser le péché. Tu dois quitter le péché. C'est ça, prends le véritable combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Parce qu'on peut chasser un démon, tu peux chasser un démon. Le démon peut partir, on peut te faire la délivrance, mais ton intérieur n'a pas changé, tu es toujours pécheur, tu es toujours pécheur, dans l'amour du monde et rien n'a changé. Beaucoup de personnes qui sont dans le monde
ont reçu aussi des miracles dans les églises. Un pasteur a prié pour lui, Dieu a fait grâce, il a eu le miracle, mais il continue à vivre dans le péché. Ce miracle n'a pas créé, n'a pas ramené la repentance. Sache une chose, les buts du miracle, c'est la repentance. Dieu a laissé les miracles pour que, quand les gens vont voir les miracles, qu'ils puissent se repentir. Dieu a laissé les miracles sur la terre pour que, quand les gens vont commencer à vivre les miracles, qu'ils puissent se repentir. Mais toi, tu as reçu un miracle, pourquoi tu ne t'es pas repenti? Pourquoi tu n'as pas changé? Quand on rencontre Jésus, on change vraiment. On change totalement, on change radicalement. Je pourrais vous donner mon témoignage. J'avais rencontré Jésus, je servais Jésus, mais je ne le connaissais pas. Le jour où j'ai véritablement rencontré le Seigneur, je voulais me refaire mon baptême. Oui, le jour où j'avais véritablement rencontré le Seigneur, je commençais à voir la misère de mes péchés. Je commençais à voir le dégoût de ce que j'étais avant, malgré que j'étais dans l'église. Quand j'ai véritablement rencontré le Seigneur, j'ai vu mon avant et mon après. Alléluia, il faut que tu voies l'avant toi, l'avant Christ et l'après Christ. Il faut qu'il y ait une différence. Quand on rencontre Jésus, on ne reste pas la même personne. Ce n'est pas possible. On ne reste pas la même personne. On ne peut pas rester dans l'amour du monde. On ne peut pas rester dans les choses du monde, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la même vie qu'avant, le même milieu, la même chose. C'est pas possible. Le Saint-Esprit en toi va commencer à te sortir des milieux, sortir des endroits, à te séparer même des personnes que tu aimais. C'est l'Esprit qui va le faire. Tu ne vivras plus pour toi, mais tu vivras pour Dieu. Tu vas être totalement changé. Et j'avais compris une chose, que je peux être dans l'église sans connaître Christ. Oui, je peux être dans l'église sans connaître Christ. Beaucoup sont dans l'église, mais ne connaissent pas Christ. Parce que quand on le rencontre, quand on rencontre cet homme, Jésus de Nazareth, on ne peut pas rester. Non, mais ce n'est pas possible. La même personne, ce n'est pas possible. Quand on rencontre Jésus, il y a un changement. La femme samaritaine l'a rencontré, elle n'était plus la même personne. Le jour où Zachée l'a rencontré, il n'était plus la même personne. Le jour où Pierre l'a rencontré, il n'était plus la même personne. Le jour où Paul l'a rencontré, il n'était plus la même personne. C'est quand tu le rencontres, il faut qu'il y ait un changement. Une transformation totale et radicale. Totale. Il faut que tu sentes que, non, même si le péché te combat, mais tu dois sentir que non, ce n'est plus ta portion. Le péché n'est plus ta portion, ce n'est plus ta part. Ce n'est pas fait pour toi. Tu vas commencer maintenant à prendre autorité sur le péché. Tu vas commencer à rentrer dans le combat spirituel contre le péché. Quand on rencontre cet homme, les choses de la terre ne sont pas la priorité pour nous. Non, les choses de la terre ne sont pas la priorité pour nous. À un moment donné, je priais pour quelque chose. Je priais. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je veux voir cette chose. Seigneur, je veux voir. Et le Seigneur me dit, tu m'aimes que pour cette chose? J'ai dit, non, Seigneur, non. Amen. Et il me dit, si je ne te donne pas ça. Et je commençais même à comprendre que, à force de chercher cette chose, je commençais à être dans la distraction. Parce que, des fois, quand tu es focalisé sur quelque chose, ça peut te distraire. Ça peut te donner la distraction. C'est pour cela, sois focalisé sur Christ. Amen. Sois focalisé sur Jésus. Sois focalisé sur Christ. Focalise-toi. Il y a des choses, des fois, qui nous prennent toute notre attention, qui nous prennent toute notre force, alors que notre attention doit être sur Christ. En Christ, nous avons tout. Alléluia. En Christ, nous avons tout. Ne pleure pas parce que tu n'as pas le mariage. Ne pleure pas parce que je n'ai pas de travail. Ah, je n'ai pas d'argent. Ah, mais ma vie, ça n'avance pas. Ma vie, ceci. Focalise-toi sur Christ. Parce qu'en Christ, tu as tout. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. Tout, je dis bien absolument tout. Tout est en Christ. Sois fusionnel avec Christ. Travaille ta relation avec le Seigneur. Permets au Seigneur de changer totalement ta vie. Dis-nous tout simplement, Seigneur, restaure-moi. Change-moi totalement. Seigneur, change-moi. Je comprends que je suis trop attaché à cette chose. Change-moi totalement. Change-moi. D'ailleurs, si tu ne veux pas me donner, ne me donne pas. Oh, fais des prières pareilles. Seigneur, si tu ne veux pas que je me marie, alors que je ne me marie pas, ce n'est pas grave. Ta volonté, ma volonté. Waouh! Ta volonté, ma volonté. Seigneur, si tu ne veux pas me donner l'argent, ne me donne pas. Ta volonté, ma volonté. Quand tu commences à arriver à ce niveau, Dieu te donnera au-delà de ce que tu as demandé. Dieu te donnera c'est-à-dire au-delà de ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas tes propres intérêts, mais tu cherches d'abord ta relation avec Dieu. Tu cherches d'abord Dieu. Tu cherches les intérêts de Dieu. Tu cherches d'abord Dieu. Tu mets d'abord Dieu. Je vous ai toujours dit, dans la Bible,
On dit au commencement Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, la première page de la Genèse 1, au commencement Dieu créa. Au commencement c'est Dieu. Et à la fin de l'Apocalypse encore Dieu. Tout doit être Dieu. Que Dieu soit à ton début, que Dieu soit à ta fin. Alléluia. N'invite pas Dieu quand tu as des problèmes seulement, mais cherche Dieu tous les jours, même quand tout va bien. Cherche Dieu. Ne cherche pas Dieu quand seulement tu as des problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu as des problèmes, tu commences à chercher Dieu. Non, non, non. Cherche Dieu tous les jours. Prie, crie devant le Seigneur qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit, qu'il puisse te transformer, qu'il puisse te changer. Tu gagneras beaucoup de temps. La maladie, quand elle viendra pour te visiter, elle ne rentrera pas. Parce que le Seigneur t'aura totalement transformé, totalement changé. Totalement, totalement, totalement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te change totalement. Que le Seigneur te change totalement. Que le Seigneur te change totalement. Oui, que tu fasses de Christ ta priorité. Alléluia. Que tu fasses de Christ ta priorité dans le nom de Jésus. Que tu fasses de Christ ta priorité. Qu'il soit ta priorité. Qu'il soit ta poursuite. Qu'il soit ta joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur merci. Tu vas dire Seigneur merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui me façonne encore ce jour. Merci pour ta parole qui me donne encore une direction. Merci pour ta parole, Seigneur, qui me remet encore sur le droit chemin en cette journée. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui me fortifie encore afin que je ne puisse pas perdre mon salut. Afin que je puisse travailler mon salut. Afin que je puisse être un chrétien mature. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Dis merci au Père. Dis merci au Seigneur. Oui, que cela vienne de ton cœur, que cela vienne du plus profond de toi. Dis merci avec tes propres paroles. Ce que cette parole a fait dans ta vie, ce que cette exhortation a fait en toi, tu vas prier, dire merci à Dieu. Tu vas prier, dire merci à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, tendre Père, merci. Merci encore pour ta parole qui m'a fait du bien. Merci pour ta parole, Seigneur. Cette merveilleuse parole que tu as préparée pour nous, pour la tour de prière semeur ce midi. Merci pour ta parole, Seigneur, oh Dieu, qui m'a ramené encore dans le droit chemin. Merci pour ta parole qui a ouvert les yeux, mes yeux spirituels. Merci pour ta parole qui a illuminé les yeux de mon cœur, afin que je ne puisse pas rater la cible, afin que je ne puisse pas rater le but, afin que je ne puisse pas passer à côté du but, mais afin que je puisse, Seigneur, aller droit au but et que je ne puisse pas perdre, Seigneur, mon salut, ni perdre, Seigneur, ce que j'appelle le ballon que j'ai au pied. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, merci de m'avoir parlé au travers de ta servante. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, de m'avoir connecté à ce temps de prière afin que je puisse écouter ces choses qui m'éloignent de la distraction, ces choses qui me réveillent spirituellement, ces choses qui m'empêchent de demeurer dans le péché, mais qui me ramènent vers la vie éternelle. Je te dis merci. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Merci pour le chemin que tu es. Merci pour ta grâce dans ma vie. Et merci pour ta faveur encore. Reçois la gloire et la louange. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Merci pour ta parole, Père. Merci pour ta parole. Bien-aimés, nous voulons prier. Je pense qu'après avoir écouté cette exhortation, nous comprenons que nous devons nous repentir devant Dieu. Combien de fois nous mettons Dieu derrière, nous mettons Christ derrière et nous mettons toujours nos priorités devant. Combien de fois nous courons, nous sommes agités partout, mais nous courons pour des mauvaises choses. Nous courons pour des mauvais buts. Nous courons pour les choses du monde. Nous sommes agités pour les choses du monde. Nous sommes agités pour les choses de la terre. Nous sommes agités pour nos propres besoins. Nous sommes agités pour les choses de la terre alors que les buts de Dieu, nous les mettons de côté. Alors que nous ne nous intéressons même pas à ce que Dieu veut que nous puissions faire pour lui sur la terre. Alors que nous ne nous intéressons même pas à la mission que Dieu nous a donnée, nous a assignée sur la terre. Nous sommes focalisés que sur les choses qui nous concernent, nous. Nous sommes focalisés sur nous. Nous voulons nous repentir pour cela. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon. Nous devons nous repentir.
Le Saint-Esprit veut que tu puisses te repentir de cela. Le Saint-Esprit veut que tu puisses te repentir. Tu vas demander pardon pour chaque fois que tu as mis tes propres intérêts devant. Pour chaque fois que tu as mis les intérêts de Dieu à côté. Pour chaque fois que tu as été motivé que par tes propres intérêts. Pour chaque fois que tu as couru que pour tes propres buts, tes propres projets, tes propres envies, tes propres vouloirs. Nous voulons nous demander pardon à notre Dieu. Nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir. Prie le Seigneur pour tous les péchés aussi que tu as commis. Pour tous les péchés, parce que le péché ne contribue pas à ton salut. Mais le péché empêche ta vie spirituelle d'avancer. Le péché empêche ta vie spirituelle d'avancer. Alléluia. Oh, j'aimerais vous dire ce que j'ai reçu dans mon esprit. Alors que j'étais en train de donner l'exhortation. Parce que le Saint-Esprit a insisté que je donne cette exhortation ce midi. Celui-ci que je vous ai donné. Et alors que je donnais l'exhortation, on m'a montré comme un cahier et il y avait le nom. Comme si on écrit les noms dans le livre de vie. Mais que quand je parlais de salut initial, salut quotidien. Et quand je suis arrivée au salut quotidien. Et on me montrait dans mon esprit comme si il y a des gens... eux-mêmes, leur marche efface leur nom. Il y a comme une gomme qui efface leur nom. Il y a comme une gomme qui efface. Et le nom n'est pas totalement effacé, mais on efface maintenant par lettre. Hein? C'est-à-dire, si le nom c'est Frida, on efface A. On efface H, petit à petit. Et si tu ne fais pas attention, c'est ce que l'esprit me disait en même temps, si tu ne fais pas attention, un nom peut être totalement effacé. À la fin, au salut final, ton nom n'est plus là parce que ta vie a été concentrée dans l'amour du monde. Ta vie a été concentrée dans le péché. Tu n'as pas consacré ta vie dans la pureté ou la consécration. Et en même temps, je reçois que quelqu'un maintenant qui marche dans la sanctification ou dans le salut quotidien, qui travaille son salut, est une personne qui est en train de maintenir son nom. Est une personne qui est en train de maintenir. À chaque fois que tu te répands, ton nom est en train d'être maintenu. Si tu avais péché, il y avait quelque chose qui était effacé, quand tu te répands, la lettre revient. Cette lettre qui avait été effacée, elle revient. Waouh! Cette lettre revient. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons entretenir notre salut. Pour ne pas dire toi, je dis bien nous tous, entretenir notre salut. Alléluia. Entretenir notre salut. Entretiens. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Oui, c'est écrit, mais maintenant c'est à toi d'entretenir ce nom. D'entretenir. Il y a des maisons, il y a des choses qui sont bâties, il y a des choses qu'on a réservées pour toi dans les cieux. Mais si tu ne marches pas dans la consécration, tu risques de perdre cela. Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous venons devant toi, Père. Oui, te demander pardon. Nous repentir pour tous les péchés. Nous repentir pour notre égoïsme, Seigneur. Nous repentir parce que des fois, nous sommes en train de regarder à nos propres priorités. Nous sommes en train de regarder à nos propres envies. Nous sommes en train de regarder à nos propres vouloirs, à notre volonté, sans consulter ta volonté. À notre volonté, sans vouloir comprendre ce que tu veux. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Tout péché que nous commettons et qui nous éloigne de toi. Pardonne-nous, Seigneur, tout péché que nous commettons et qui efface les lettres de notre nom dans le livre de vie. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout péché que nous commettons et qui ne te donne pas gloire. Je viens te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne les pensées de nos cœurs. Pardonne les paroles de nos bouches. Pardonne, Seigneur, notre manière de fonctionner. Pardonne, Seigneur, à chaque fois que nous cautionnons le péché. Nous marchons dans le péché consciemment. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce de marcher dans la consécration. Accorde-nous la grâce de te connaître, comme a dit l'apôtre Paul. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans ta connaissance. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être trouvé en toi, d'être trouvé dans ta justice. Car Paul a dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Que nous puissions être trouvés dans ta justice, Seigneur, qui s'obtient dans la foi en toi, la justice de la foi. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous que nous ne soyons pas des chrétiens qui courent
qui courent comme des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont, mais que nous soyons des chrétiens qui courons, Seigneur, vers le but, que nous puissions courir vers le ciel, que cela soit clair dans notre esprit, que nous puissions courir vers le ciel et que nous puissions travailler, Seigneur, sur la terre pour toi, que nous puissions contribuer à ce que ton royaume puisse être bâti sur la terre, que nous puissions contribuer à ce que, Seigneur, l'évangélisation se fasse sur la terre, que nous puissions contribuer, Seigneur, à ce que des âmes soient gagnées, que nous puissions contribuer à ce que ton œuvre puisse avancer sur la terre. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Alors, tu vas demander au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'aider à courir au but. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à courir au but. Aide-moi à courir au but. Que je puisse aller là où Dieu veut que je puisse aller. Que je puisse être là où Dieu veut que je sois. Que je puisse faire ce que Dieu veut que je puisse faire. Que je puisse faire la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Car le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui va nous aider. Il est le consolateur, celui qui nous aide, qui nous conduit dans la vérité. Il est celui qui nous conduit vers la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, oh, alors que je me tiens à la porte de midi ce midi, je t'en supplie, en ce jour, maintenant, alors que je me tiens à la porte de midi, Saint-Esprit, je t'en supplie, mon cri est que tu m'aides à courir au but. Aide-moi à courir au but. Je reconnais que quand je cours seul, je cours hors le but, je cours à côté, je cours dans mes propres priorités. Saint-Esprit, aide-moi à courir dans les buts de Dieu. Aide-moi à courir dans la volonté de Dieu. Aide-moi à courir vers le but, à courir au but, afin de gagner Christ. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, demande au Saint-Esprit de t'aider à courir. Demande au Saint-Esprit de t'aider à courir. Saint-Esprit, aide-moi à courir au but. Le but qui est de remporter le prix de la vocation céleste. Le but qui est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, aide-moi à courir vers le but. Aide-moi à faire la volonté de Dieu. Aide-moi à marcher dans la volonté de Dieu. Enlève en moi l'amour du monde. Enlève en moi la distraction. Délivre-moi de la distraction. Délivre-moi de l'amour du monde. Délivre-moi de l'amour des choses de la terre. Délivre-moi du péché. Délivre-moi, Saint-Esprit. Délivre-moi, Saint-Esprit. Je t'en supplie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher dans la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à te séparer totalement du péché. Demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher dans la consécration totale à Christ. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, je t'en supplie, change-moi, transforme-moi, aide-moi à connaître les dimensions que l'apôtre Paul est en train de dire, aide-moi à marcher de sorte de gagner Christ, aide-moi Saint-Esprit à renoncer à tout. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur, Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Saint-Esprit, aide-moi à regarder les choses du monde comme de la boue. Saint-Esprit, aide-moi à courir vers le but, que je regarde les choses du monde comme de la boue. Aide-moi, je t'en supplie, que je regarde les choses du monde comme de la boue, que je regarde les choses du monde comme de la boue, que ce qui était pour moi un gain, oh, que je le regarde comme une perte à cause de Christ. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, aide-moi, que je regarde toute chose qui était pour moi sujet d'orgueil, qui était pour moi sujet de joie comme de la boue, comme une perte, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en supplie, bien-aimé, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider à courir vers le but, de t'aider à courir vers le but, de t'aider à courir vers le but. De t'aider à courir vers le but. L'apôtre Paul a dit qu'il a renoncé à tout. L'apôtre Paul a dit, afin de gagner Christ, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Saint-Esprit, aide-moi à courir vers le but, afin de gagner Christ. Que je puisse gagner Christ dans ma vie. Que je puisse gagner Christ dans ma vie. Que ma vie soit remplie de Christ. Que ma vie soit débordante de Christ. De la tête à la plante de mes pieds. Que ma vie soit débordante de Christ. Dans le nom de Jésus. Que mes pensées soient débordantes de Christ. Oh, que ma bouche, mes paroles soient débordantes de Christ, que mon comportement soit débordant de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je t'en supplie Saint-Esprit, je t'en supplie Saint-Esprit, je t'en supplie Saint-Esprit, je t'en supplie Saint-Esprit. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi
en Christ, que je puisse marcher dans la justice de la foi, que je puisse marcher dans la foi, que je puisse marcher dans la foi, que je puisse marcher dans la foi. Il dit encore, afin de connaître Christ, Saint-Esprit, fais-moi courir vers le but, afin que je puisse connaître Christ. Oui, dis au Saint-Esprit de te faire marcher, de te faire courir, de te faire courir vers le but, qu'il t'aide à courir au but, afin que tu puisses connaître Christ. Connaître Christ est mieux. Connaître Christ, bien-aimé, est la priorité, doit être ta priorité. Connaître Christ. Connaître Christ, c'est la vie éternelle. Car il a dit, car hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est la connaissance de Christ. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à courir au but, afin que je puisse connaître Christ, que je connaisse Christ, que je puisse connaître Christ dans ma vie, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Oh, je te prie de me changer. Demande au Saint-Esprit de te changer. Que le Saint-Esprit puisse, oui, puisse ramener des transformations dans ta vie. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Change-moi, Saint-Esprit. Change-moi, Saint-Esprit. Oh, emmène des transformations dans ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Déborde en moi. Purifie-moi, Saint-Esprit. Purifie-moi. Que tout ce qui ne glorifie pas Christ dans ma vie soit ôté au nom de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas Christ dans ma marche soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas Christ dans ma maison soit ôté au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit foudroyé au nom de Jésus. C'est pour cela que je te prie, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, coule sans cesse en moi. Qu'il puisse couler en toi. Et l'image d'un robinet qu'on a ouvert, et ce robinet coule chaque jour. Ce robinet coule. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, ce robinet, l'eau va commencer à déborder. L'eau va commencer à déborder parce que le robinet est ouvert en continu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, coule sans cesse en moi, de la tête à la plante de mes pieds. Oh, coule en moi, Saint-Esprit. Je veux marcher avec toi. Je veux être en communion avec toi. Saint-Esprit, je te désire dans ma vie. Coule en moi, de façon continue, de façon sans limite. Viens me changer, viens me transformer, de sorte que je puisse courir vers le but et que je puisse remporter le prix de la vocation céleste. Saint-Esprit, coule sans cesse en moi. Enlève le péché, enlève la colère, enlève la haine, enlève l'orgueil, enlève la médisance. Saint-Esprit, coule en moi, enlève le péché, détruis l'orgueil, détruis la colère, détruis l'amour du monde, détruis les désirs de la chair, détruis la convoitise du péché. Je t'en supplie, Saint-Esprit, la convoitise de la chair, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit dans ma vie, que les envies de la chair, les choses contraires à l'esprit, soient ôtées de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Que mon cœur soit purifié. Saint-Esprit, purifie mon cœur. Saint-Esprit, purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie par ton eau, l'eau de vie, l'eau, Saint-Esprit. Purifie-moi par ton eau et par ton feu. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. J'arrive. Donnez-moi 30 secondes. Alléluia. Saint-Esprit, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, que ma relation avec toi, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que ma relation avec toi ne soit pas superficielle. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie, que ma relation avec toi ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit profonde au nom de Jésus. Que ma relation avec toi, Seigneur, soit profonde. Demande au Seigneur que ta relation avec lui soit profonde. Amen. Que ça ne soit pas une relation superficielle. Que ça ne soit pas une relation légère. Que ça ne soit pas une relation négligée. Mais que ça soit une relation profonde. Une relation révélée. Une relation, une véritable relation. Alléluia. Une relation véritable dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au Seigneur,
je t'en supplie, ma prière ce midi est que ma relation avec toi ne soit pas superficielle. Seigneur, aide-moi à te connaître, je veux te connaître. Je veux te connaître afin de mieux te servir. Je veux te connaître, Seigneur, afin de manifester ton caractère. Je veux te connaître, Seigneur, afin de marcher, Seigneur, dans tes préceptes, dans tes voies. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître, que ma relation avec toi ne soit pas superficielle, mais que cela soit une relation profonde, une relation profonde, une relation profonde, une relation en profondeur. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Une relation qui sera, Seigneur, une relation de qualité. Que ça ne soit pas une relation superficielle ou négligée, mais une relation de qualité. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, révèle-toi à moi. Aide-moi à te connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse te connaître. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse mieux t'adorer. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse mieux te servir. Dis au Seigneur que tu veux mieux le connaître pour mieux le servir. Oui, parce que nous, quand nous connaissons mieux le Seigneur, nous le servons aussi mieux. Qu'il puisse se révéler à toi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Que je puisse avoir la révélation de ta personne. Que je puisse avoir la révélation de ta personne, Christ. Révèle-toi à moi. Révèle-toi dans ma vie, Seigneur. Révèle-toi. Que je puisse avoir une rencontre personnelle avec toi. Que je puisse avoir une rencontre personnelle avec toi. Je désire une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Une rencontre personnelle. Seigneur, je désire te rencontrer personnellement. Je désire te rencontrer, Seigneur. Que je puisse te connaître. Que ma relation avec toi ne soit pas une relation pour les miracles. Ne soit pas une relation juste pour la délivrance. Ne soit pas une relation juste pour que tu puisses répondre à mes envies. Que ça ne soit pas une relation juste pour que tu puisses me faire plaisir. Mais que ce soit une relation qui est basée sur l'amour. Une relation, Seigneur, qui est basée sur ta personne. Une relation qui est basée sur l'adoration. Que je puisse te connaître, Seigneur. Et que je puisse t'adorer de tout mon cœur. Que je puisse te connaître de toute mon âme. Que je puisse t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. De toutes mes pensées, Seigneur, oh Dieu. Oh, que je puisse te connaître. Et que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Seigneur, je t'en supplie. Que je puisse te connaître. Que je puisse te connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître pour mieux t'adorer. Je veux te connaître pour mieux te servir. Je veux te connaître pour marcher dans ta volonté. Je veux te connaître pour atteindre le but pour lequel tu m'as créé. Je veux te connaître, Seigneur, afin de manifester ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le salut de mon âme. Merci de m'avoir choisi. Merci pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Car parmi des millions de personnes, des milliards d'êtres humains sur la terre, Seigneur, tu m'as vu, tu m'as choisi, tu m'as appelé. Oh, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je reconnais que ce n'est pas moi qui est venu te chercher, mais c'est toi qui es venu me chercher. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour les transformations que tu opères dans ma vie. Bien-aimé, prie, prie. Dis-lui merci pour les transformations qu'il opère dans ta vie. Oh, le Seigneur Jésus a opéré des transformations dans ta vie. Dis-lui merci. Merci pour ton cœur qui est en train d'être changé. Dis-lui merci pour ton âme qui a été restaurée. Dis-lui merci pour tes pensées qui ont été changées. Dis-lui merci pour ta vie. Ah, pour ta vie qui a été transformée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, tu vas demander la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas tout simplement dire, Seigneur, remplis mon cœur de ta présence. Amen. Remplis-moi de ta présence. Remplis mon âme de ta présence. Désire la présence du Seigneur. Remplis ma vie de ta présence. Que je sois rempli de toi. Que mes pensées soient remplies de ta présence. Bien-aimé, vous savez, là où les pensées d'une personne sont remplies de la présence de Dieu, l'oppression ne peut pas prendre place. Que tes pensées soient remplies de la présence de Dieu. Là où le corps d'une personne est rempli de la présence de Christ, les oppressions ne peuvent pas prendre place parce que le diable ne résiste pas là où il y a Christ. Le diable ne résiste pas là où il y a Jésus. Le diable ne résiste pas là où il y a le Saint-Esprit. Il va te bousculer, mais ne pourra rien faire. Alléluia. Que ta vie soit remplie de lui. Seigneur, remplis mon cœur de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Remplis mon âme de ta présence. Inonde ma vie de ta présence. Seigneur, je veux être inondé. Je veux être immergé. Je veux être rempli de ta présence. Que mes pensées soient remplies de ta présence. Dans le nom de Jésus. Que mes pensées soient remplies de ta présence. Seigneur, que ma bouche soit remplie de ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Que mon cœur soit rempli de ta présence, Seigneur. Oh, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi.
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien même, nous allons encore prier. Nous voulons prier pour la tour de prière semeur. Tu vas prier pour ce ministère, tour de prière semeur. Tu vas dire, Seigneur, étends encore ta main. Seigneur, élargis l'espace de la tour de prière semeur. Élargis l'espace, qu'il puisse élargir la tour de prière semeur. Qu'il puisse agrandir la tour de prière semeur. Afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Qu'au travers de la tour de prière semeur, qu'il y ait des milliers d'âmes qui soient sauvées. Que la tour de prière semeur soit une plateforme par laquelle le Saint-Esprit va faire un travail extraordinaire pour gagner des âmes. Alléluia. Que beaucoup d'âmes soient sauvées au travers de la tour de prière semeur. Que les âmes soient sauvées. Qu'il y ait des transformations de vie. Qu'il y ait des restaurations de vie. Que des gens soient changés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Qu'ils puissent rencontrer Jésus au travers de la tour de prière semeur. Demande l'élargissement de la tente de la tour de prière semeur. Demande l'élargissement de ses capacités. Demande l'élargissement. Que la tour de prière semeur soit élargie. Que le Seigneur puisse élargir la tour de prière semeur, l'agrandir au nom de Jésus, agrandir ses capacités, agrandir ses cordages, agrandir dans le nom de Jésus, et que des âmes soient gagnées, que des âmes soient gagnées, qu'une large porte s'ouvre sur la tour de prière semeur, afin de gagner des âmes en cascade, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au Seigneur, nous prions pour la tour de prière semeur, ce ministère que tu as inspiré, ce ministère que tu as donné, afin que des âmes soient gagnées dans les quatre coins du monde. Nous te prions, Seigneur, d'élargir encore les cordages, d'élargir encore les tentes, d'élargir encore les portes, d'élargir encore les murs de la tour de prière semeur. Élargis la tour de prière semeur. Seigneur, élargis les portes. Ouvre une grande porte afin que des âmes soient gagnées. Oh, de tout pays, de toute nation, Seigneur, de toute langue, de toute couleur de peau, dans le nom puissant de Jésus. Que la tour de prière seulement soit un pont, une plateforme par laquelle, Seigneur, tu vas attirer des âmes à toi, où des âmes seront gagnées, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, élargis l'espace de l'attente de la tour de prière semeur. Élargis l'espace de l'attente de la tour de prière semeur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la tour de prière semeur, ô Père, puisse accomplir, marcher dans ta volonté, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Je vais prier pour vous et nous allons terminer là. Tendre Père, merci encore pour ce temps merveilleux. Père, je prie pour ton peuple. Il est écrit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, alors que tes enfants ont fait de toi leur délice, en fait de toi leur priorité, en fait de toi, Seigneur, ô Dieu, leur premier désir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses accorder à leur cœur les désirs de leur cœur, que tu puisses accorder à leur cœur, Seigneur, ô Dieu, leur prière, que tu puisses exaucer leur prière. Exauce à la prière, Seigneur, que quelqu'un n'a pas faite, mais il a juste pensé, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tu ouvres les portes, qu'une large porte s'ouvre dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu puisses faire pleuvoir maintenant. Fais pleuvoir la pluie de ta bénédiction sur la vie de tes enfants cet après-midi au nom puissant de Jésus. La pluie de la bénédiction. Que cette pluie te localise maintenant au nom de Jésus. La pluie qui est en train de tomber maintenant sur toi. Qu'elle te localise maintenant. Qu'elle te localise maintenant. Et qu'elle ramène l'exaucement à ta prière. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la maladie te quitte. Que les blocages te quittent, que les combats qui sont contre toi, les esprits des ténèbres qui combattent ta vie, te quittent, sois foudroyé par le nom de Jésus. Et que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre une bénédiction entière au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la grâce de marcher dans les miracles. Que l'Éternel t'accorde la grâce de voir sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Que tout ce qui est hémorragie dans ta vie soit maintenant arrêté au nom de Jésus. De la même manière que la femme qui avait la perte de sang
avait touché le vêtement de Jésus et son sang s'était arrêté. Oh, je prie et je déclare sur toi que toute hémorragie dans ta vie qui te fait pleurer s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que l'hémorragie de la souffrance s'arrête. Que l'hémorragie de la maladie s'arrête au nom de Jésus. Que l'hémorragie des mauvaises pensées s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'hémorragie des oppressions dans tes pensées s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'hémorragie, oh, l'hémorragie de la dépression, de l'oppression s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu te couvre comme un vêtement. Reçois ta bénédiction. Reçois la bénédiction des prières que tu as faites et des prières que tu n'as pas faites. Que l'Éternel réponde à tes prières silencieuses dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel réponde aux prières que tu fais et que tu ne fais pas au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel réponde à tes prières passées dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien et te fasse rire au nom puissant de Jésus. De la même manière que Dieu a fait rire Sarah en lui donnant Isaac, que l'Éternel t'accorde ton Isaac dans le nom de Jésus et qu'il te fasse rire, qu'il te fasse rire, qu'il te fasse rire au nom puissant de Jésus. Qu'il change totalement et radicalement ta vie et t'accorde tout ce que ton cœur désire selon sa volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu es béni, toi qui t'es connecté ce midi. Tu es béni, tu es béni. Ne promène pas des regards inquiets parce que Dieu te tient par la main. Il 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 te tient par la main. Dieu te tient par la main. Il y a quelqu'un qui est connecté ici. Tu es très, très, très découragé. Depuis ce matin, il y a comme quelque chose qui arrivait et tu es très découragé. Et Dieu me dit de te dire qu'il te tient par la main. Il te tient par la main. Ne permets pas à cette chose qui t'a découragé de définir ta vie, de définir ta journée. Non, non, non. Il te tient par la main. Il te tient par la main et il ne te laissera pas, il ne te lâchera pas. Très bientôt, tu vas vivre une très grande bénédiction. Il te tient par la main. Ne sois pas découragé parce que lui, tel un père, il te tient par la main. Il te tient par la main. J'insiste encore. Il te tient par la main. Tu as été découragé ce matin. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Ne permets pas à cette chose qui t'a découragé. Ne permets pas à cette chose qui t'a comme vraiment beaucoup découragé de déterminer ton futur. Parce que ton futur est radieux. Ton futur est glorieux. Dieu te connaît. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci Seigneur pour tes enfants que tu as encore encouragés ce soir. Plutôt ce midi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce message est pour vous, vous tous qui avez eu ce problème ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis à ce soir pour la guerre de minuit. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Ne partez pas sans aimer la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Et le Seigneur nous fera du bien. Donc, soyez bénis à tout à l'heure, à ce soir. À ce soir. À ce soir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui aiment la vidéo. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui tiennent à leur engagement. Tous ceux qui ont dit, je vais soutenir le ministère de la prophétesse. Toi qui tiens ton engagement, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas ton engagement. Je n'ai pas à répéter, ça n'a pas de sens. Amen. Tu es un mature spirituel, tu sais que toi-même, tu vas tenir à ton engagement. Voilà. On n'est plus dans l'étape de dire, tu avais dit, tu avais promis. Non, non, ce n'est pas propre. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont vraiment tenu leurs engagements. Que le Seigneur vous bénisse. Énormément, énormément, énormément. Jade, sois fortifiée, sois bénie. Pierre, je ne t'ai pas oublié, je ne t'oublie pas. Et je rentre en contact avec toi très bientôt. Gloire à Dieu, soyez bénie. Et donc, à tout à l'heure, soyez bénie. Ciao, ciao.
toucher ton vêtement. Je veux toucher ton vêtement. Ma vie est. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Dans ma vie, Seigneur. Merci car tu ne me te laisses.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.